Duel physique, marquage serré et même tacle agressif. Dans ces conditions difficiles de produire du jeu, pas l'ombre d'une occasion franche jusqu'à la 40e minute. Et cette reprise de Papa Bouba Diop, surpris d'avoir réussi à marquer de la rotule. Lens mène 1-0, mais Joël Muller ne semble pas du tout apprécier l'apathie générale. Vous savez, ces matchs sont un petit peu difficiles dans la mesure où on joue plus rien. Les Corses, eux, jouent leur maintien. Ils le font savoir que très ponctuellement, comme sur cette frappe de Bernard Diomède. Lens ne parvient à réagir que sur coup de pied arrêté, mais la tête de Koulibaly heurte la barre transversale. Les Lensois mènent toujours 1-0, ils vont bientôt jouer à 10 pendant plus de 20 minutes suite à cette expulsion de Baru. Cette infériorité numérique ne profitera pas à Ajaccio, seul Bagayoko à 2 minutes de la fin du match crée une occasion. Ironie d'un match sans envie, ce sont les Lensois qui aggravent le score grâce au pied gauche de Charles-Édouard Coridon. Ajaccio s'incline pour la 18e fois cette saison, c'est peut-être la défaite de trop.